Véro est dans une sale passe. Oui, depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu passes. Quoi ? Mais pourquoi ? Allez ! Tu m'as coûté plus cher en fait bien qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a évolué, tes soucis ? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe ? On va où ? Dans le mur. Oh, ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien ? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas ? Ah. Putain. Oh, merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi ? Je vais te peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aucune idée. Tu risques gros ? Bah, s'il trouve tout, ça peut être contrariant. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses ? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe ? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous, vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Ah ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils vont pas remettre ça ! Ça va peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, vise les yeux ! Serena ! Si je comprends bien, ta maître va se faire virer. C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prise. Bon là, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir. Bah, fais gaffe de pas te cogner.